Salut, allez, dernière vidéo sur le pack RF2 sorti récemment. Je vous présente aujourd'hui le dernier véhicule version BTCC. Donc c'est l'Infiniti Q50 si je ne me trompe pas. Donc c'est cette fois-ci plus une traction mais une propulsion. Donc, vous allez voir avec un comportement plus sain mais totalement différent et qui est aussi tout aussi agréable à piloter. C'est plus dans ce qu'on connaît habituellement. Vous allez voir, donc là je le fais sur Pornhatch, on est parti sur 7 tours également. Donc je vous rassure, il n'y aura pas de pluie cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'était quand même une. Enfin, forcément, je fais l'intro avant, après la course. C'était vraiment intéressant, je trouve le FFB toujours pareil, toujours aussi bon. Encore une fois, hein, je l'ai dit ou je vais peut-être le redire pendant la course, mais il y a quand même des effets, je trouve, superficiels, qui n'ont pas lieu d'être là, des trous dans les lignes droites, je sais pas, des choses sur les vibreurs qui sont exagérées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre de choses. Alors moi j'ai un dédain comme vous voyez juste ici, mais ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre des fois, je trouve que c'est sur... Il y a trop d'infos. Bon, autant des fois il n'y en a pas du tout, autant là sur RF2 il y en a peut-être des fois un peu trop, mais c'est encore une fois peut-être un mauvais réglage de ma part. Voilà en gros pour la petite intro de cette vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois hein, dans les commentaires, où je dis rarement, mais me donner votre ressenti, et puis partager si vous pouvez. Enfin, bref, un petit peu plus de visibilité, ça me fera pas de mal par rapport au boulot que je fais pour ces vidéos, parce qu'encore une fois là, je le répète, il y a trois records, enfin bref, il y a du montage, il y a maximum pour vous donner de l'immersion. Allez, je vous embête pas plus avec les détails, ça ne concerne que moi entre guillemets, mais c'est pour le meilleur résultat pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo, avec cette course, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss. Allez, c'est parti avec cette Infiniti, cette fois-ci en propulsion. Allez, c'est vert. Donc toujours pour 7 tours ici sur Bondage. Sur la droite. On bouge pas. Toujours la garde est allumée. Il va y avoir du sport. Toujours droite, clair. Voiture à gauche. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout la même conduite, c'est un peu plus, toujours là. Plus stable. Mais pour le coup, ça survire aussi de temps en temps. Toujours Donc, la garde est allumée. Toujours là. Et ça pousse un peu, je suis bloqué là, quelqu'un à ma gauche. Là, je me fais enfermer, hein. C'est la tête devant, il va pas lui laisser l'opportunité. Si, si, il me bloque un peu. Côté gauche. Continue. Toujours la garde qui s'est dégagée à gauche. Sur ta gauche. Claire à gauche. C'était chaud au freinage. Voiture à gauche. De roue ici. Toujours là. Toujours la garde est allumée. Continue. On va essayer de protéger aussi, nous. Ah, il est toujours là, je vous confirme.
vous avez vu, elle est partie, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est partie légèrement en dérive. Ah, des fois le FFB. J'ai déjà dit, hein, mais je sais pas pour vous, c'est pareil, il y a des fake effets, c'est un peu bizarre. Attends, c'est du contenu officiel. Il y a un DD1, on va pas venir que c'est de la merde. Il est peut-être mal réglé, ça je vous l'accorde, mais le reste. Toujours là, garde ta ligne. Toujours là. On bouge pas. Ouais, on est P12, on avance pas là. Ouf, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ton aéro a été touché, il faudra régler ça au front. Tous tes pneus sont froids. Allez, on termine le troisième tour. Le meilleur vient de faire un 33.6. Essayez de prendre l'intérieur. Toujours là. Toujours là. Allez, 11e. Voilà, vous voyez, protège. Allez, on va plonger à l'intérieur ici. Ouah, c'était chaud. Il est là, hein. Toujours là, garde le palier. Bouge pas, droite, clair. Puis un peu plus large, pour une distance de sécurité, ça passe P10. Côté gauche, clair à gauche. Sur ta droite. Allez, P9. Il y a un beau petit groupe devant. On est à la moitié de la course. Normalement, j'avais mis soleil en fin de course. Je sais pas où il est. J'ai l'impression que la météo, des fois, ici, est même scriptée sur RF2. Doucement. Bon, l'FFB est toujours excellent, ça y a pas à dire. Encore une fois, c'est du top.
légèrement touché. Tous les pneus sont froids. La voiture à droite. Toujours là. Droite, dégagée. Oui, 8ème, allez. Il nous restait 2 tours. Fais gaffe, hein, pas surconduire parce que je peux vite me faire surprendre. Comme là. Et quand tu suis comme ça, c'est pas évident, surtout sur un tracé aussi étroit, pour trouver la place. Ouais, là on est pas mal. Ah, il m'empêche d'y aller. Hein. Et puis on prend l'extérieur. Dégagez à droite. Sur la droite. Toujours là. Ça a passé. Allez. Secteur 2. Voiture à gauche. Bouge pas. Toujours là. Garde tellement. C'est dégagé à gauche. Côté gauche. Bon, j'espère que le montage vous plaise toujours autant. Je vais pas mettre du full vert parce que je sais que tout le monde n'apprécie pas. Parce que ça tremble beaucoup. Alors quand on roule, on s'en rend pas compte. Mais pour ceux qui regardent, j'ai bien conscience que c'est pas toujours idéal. Allez, on passe 9ème là maintenant. Donc du coup, je vous fais du montage type TV. Et en plus, la caméra VR, je la stabilise en post-prod. Donc j'essaye de faire au mieux pour vous. Allez, monsieur, faut rouler là parce que. On arrive à la fin de course. Sur la gauche. Gauche, clair. On va finir 9ème parce que là, ça va être compliqué de doubler. Ouais, ça passe 8ème. Voilà, on en termine sur cette course et on en termine sur la présentation de ce pack BTCC et les différents circuits. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette catégorie, de cette voiture Infiniti en particulier. N'hésitez pas à vous abonner également, je dis pas souvent, pas tout le temps, mais il y a encore du contenu qui arrive sur RF2 parce que, bah, voilà, comme je l'ai dit, hein, je fais pas que du RF2. En ce moment, j'en suis un peu plus, mais c'est surtout que y a pas mal de contenu qui sort. Et voilà, on va aussi là où il y a de quoi faire. Donc, comme c'est le cas en ce moment, je suis pas mal sur RF2. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Tchuss.